je ne donne pas, tu m'entends pourquoi? Ouais bébé, comment toi tu es dur comme ça là? Akapa donc glisse. Jonastar, la vie c'est le jonglage. Être go un avantage, surtout quand t'as le bagage. On n'a pas demandé de faire le partage. Quand j'arrive en studio, je n'écarte pas les pieds, mais je sens les billets. Si c'est pas mon niveau, je dis ce que j'ai. Tu ne m'aides pas, tu l'aides. Bonjour. Ma mère m'a envoyé chercher le loyer. Je peux te saluer, non? Tes politesses ne m'intéressent pas. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent de loyer. Donne-moi juste l'argent de loyer. Je vais prendre ici. Ne réponds pas alors. Je ne te réponds pas aussi. Comme vous m'entendez, entendu, vous êtes impoli dans la cité-ci. S'il te plaît, tu peux me donner l'argent de loyer. J'ai dit bonjour. Je t'ai salué, non? Ok. Sa Majesté, bonjour. Ça va maintenant? Ça va. Est-ce que tu peux me donner l'argent de loyer maintenant, s'il te plaît? Non, va lui dire que je n'ai pas. Comment ça, tu n'as pas? Tu connais 5 façons de ne pas avoir. Je n'en ai pas. Non, mais attends. Tu me fais faire les politesses pour me dire après que tu n'as pas. Comment ça, tu n'as pas? Je n'ai pas, c'est tout. Tu ne comprends pas quoi? Tu insistes avec les bonjour, bonjour, bonjour pour me dire que tu n'as pas. Au départ, quand tu venais ici, c'était pour toi seul. Maintenant, vous vous retrouvez à 10 dans cette chambre. Et comme ça ne suffisait pas, regarde la poubelle. Vous mangez la viande, le poisson, vous prenez du poids pendant que nous, on maigrit. Nous, on vit aussi de cette maison, tu sais ça, hein? Tu as fini. Quand je venais dans la maison, c'est avec toi que j'ai signé le contrat de bail. Jusqu'à tu te places devant moi, tu me parles, tu es malade. C'est la maison ici. Même si nous sommes sans, ton problème c'est quoi dedans? Hein? Mungumba, tu as un problème avec moi? C'est de ma faute si tu es mec. Si vous mangez mal, c'est de ma faute. Va dire que je n'ai pas, c'est la maison ici. Une maison où tu es couché, l'eau te mouille partout. Tu es dehors, tu as peur que l'inondation te touche. C'est une maison ça, c'est une maison ça. Tu fais encore quoi ici? En fait, c'est trop long. Donne-moi l'argent de loyer, c'est tout. Madame, fiche le camp, vous payez d'abord les impôts. C'est la maison ici. Donc, quand on va dire bailleur à droite, là, ta mère va aussi sortir que lui, j'ai la maison. C'est ça. Non, mais attends. C'est ça la maison. Tu parles d'impôts à qui? Ou tu prostitues ton gros corps, un genre, façon, façon là? Tu payes les impôts à qui là-bas? Je paye. Toutes les positions que je prends là-bas, tu connais ça? Tu ne connais pas? Tu connais comment je souffre là-bas? Non. C'est plus que payer les impôts. Tout ce qui m'intéresse, c'est l'argent de loyer. Aussi maigre que tu sois, si je n'habitais pas ici, tu allais ressembler à quoi? J'ai dit, je n'en ai pas. Va transmettre le message, tu dégages. Je vais aller dire à ma mère, mais sache que si tu ne payes pas aujourd'hui, tu vas sortir d'ici. Si ça dépasse ma mère, je vais appeler tout le quartier, mes frères. En fait, tout le monde sera là. Appelle même le Cameroun, je m'en fous. Pardon, libère ma porte. Mais quitte-la. Regardez-moi ça. Tu es là, ton vieillage, tu es à la maison, tu discutes la nourriture avec tes petits frères. Tu connais seulement venir tourner les fesses devant moi. Que maison de loyer, maison de loyer. Tu passes ici, là, tu as envie ma poubelle. Viens ramasser, tu manges. Je ne paye même pas. Je ne paye pas. Une idiote comme ça. Regarde-moi ces fesses. Avec ton collant de 200. Pardon. Un dimanche matin, vous venez casser les oreilles aux gens comme ça. Là. Quelqu'un ne peut même pas se reposer en paix. Que maison, maison. C'est la maison ici. Un truc, le vent souffle même comme ça tombe. Maison, maison. Ne construis pas ta part.